Qu'est-ce que tu vas aller faire en train de rapper? J'aimerais bien savoir ça. Et nous, dis-nous comment ça se passe un peu. Dans ton cœur. Ouais. D'abord, bonjour à tous. Je ne dis pas. Ton ressenti par rapport à cette journée, par rapport à la danse électro, par rapport à ce que tu veux, si t'es vegan, si t'as fait la grève, La danse en fait elle a grave évolué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issu de la première génération d'électro. Avec pas mal de danseurs, Karmapa à l'époque, enfin d'autres qui ne sont pas là. Karmapa, vidéo. Voilà. Et vous avez vraiment poussé le délire de ouf. On a commencé en 2005, c'était un peu la street, tout ça, on dansait un peu partout au final. Rivoli, pour ceux qui se rappellent, GDN, Saint-Lazare, un peu partout. Et voir aujourd'hui à quel point la danse elle s'est professionnalisée de ouf. Et je vois que maintenant on a des danseurs électro qui sont en compagnie, qui sont dans les théâtres. Donc c'est la plus belle des récompenses au final pour la culture. Félicitations à vous, qui avez fait progresser le mouvement. Je ne cache pas qu'on était peu à se dire que ça existerait encore et 10-15 ans après. Au final, vous l'avez fait, donc c'est que du plaisir d'être là et c'est du bonus. Merci encore en tout cas. Yes. Doux, s'il vous plaît. La démo. Moi, j'ai un petit mot pour toutes les filles qui dansent, du coup, qui ont dansé aujourd'hui. Là, j'ai rien. Vraiment, et une grosse spéciale, je dis devant tout le monde parce que je sais que ça fait plaisir ce genre de choses, pour Clem et pour Clémence de la street. Merci, super. Bon, vas-y. On va passer quoi? On va passer à la finale? Déjà, avant la finale, j'aimerais bien tester le chakra de la population française.